Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Nathan von Arnstein. On se retrouve pour une vidéo de présentation d'Age of Empires 2 de Conqueror Expansion, qui est donc l'extension d'Age of Empires 2 de Age of King. On va donc parler des deux jeux. Hein. J'ai installé l'expansion à l'heure actuelle, je pense pas qu'on puisse parler de l'un sans l'autre. L'extension apporte pas mal de contenu, donc on va voir tout ça. Et on va commencer cette vidéo, donc cette première présentation de RTS sur ma chaîne, par ce que je vais faire après pour les autres RTS, c'est-à-dire présentation de l'interface du jeu et des différentes possibilités offertes par le soft. Donc on commence tout de suite. Je vais aussi, d'ailleurs, petite parenthèse, profiter pour vous montrer, vu que c'est la première vidéo, vous montrer ce que c'est un RTS, les bases de ce type de jeu. Donc on commence tout de suite par le mode 1 joueur, donc classiquement, hein, Age of Empires 2, c'est un peu une référence en la matière, c'est un petit peu ce qui fait la base, un peu les bases de ce genre, avec Warcraft 3 peut-être, dans un autre style de gameplay, plus orienté RPG d'ailleurs, bon on y reviendra. On parle pas de Warcraft 3, même si on va, vous allez le voir, faire quelques comparaisons à la volée, comparaisons qui seront plus explicites quand on parlera des autres jeux, des autres RTS. On va donc déjà voir qu'il y a deux types de campagnes. Donc le jeu propose un jeu standard, hein, c'est des batailles sans contexte sur des maps aléatoires contre un ordinateur. C'est comme ça que ça se joue en jeu de stratégie, hein. Quand on joue pas, enfin les campagnes généralement c'est plus pour faire de l'apprentissage du jeu que pour vraiment le taffer, et le but ultime c'est toujours le multijoueur. D'ailleurs je sais pas si vous voyez ma souris, mais là elle devrait être sur le multijoueur. Ouais, on y reviendra un peu plus tard, on fera une vidéo multi, parce que j'ai encore la chance d'avoir dans mon entourage des gens qui jouent au jeu. Vu que les serveurs sont morts, hein, vous trouverez plus personne pour y jouer de toute façon en ligne, voilà, le jeu est trop vieux. Donc Age of Empires 2, petit tour du propriétaire, donc c'est édité par Microsoft, développé par Ensemble Studio. Sorti pour le jeu de base en 1999 et en septembre 2000 pour l'extension. C'est déconseillé au moins de 12 ans, donc s'il y a des gens de moins de 12 ans, je n'assume rien, ce qui pourrait vous choquer, même si je pense pas que ce soit particulièrement... Il n'y a rien de grave dans ce jeu. Donc Age of Empires 2, c'est du médiéval réaliste, c'est un jeu de stratégie, et je vais donc vous montrer un peu tout ça. Donc un jeu standard, des campagnes, donc les campagnes des rois. Les campagnes des rois, donc qui sont les campagnes du jeu de base, il y en a 5, dont une, William Wallace, qui est une campagne tutorielle. Donc on voit ça, à chaque fois les campagnes se divisent en missions. Hein. Il y en a 7 pour le tutoriel, il y en a 5, je crois, pour les autres campagnes. Ce tutoriel est assez bien fait, hein, ça, il faut le noter. Ensuite, bon, j'ai pas avancé, hein, j'ai réinstallé le jeu assez récemment. Là, bon, Jeanne d'Arc, Barbarous, Genghis Khan, tout ça, c'est des campagnes avec des personnages historiques. Hein. Après, comment dire, niveau de la conformité à historique du jeu, je n'ai pas vérifié. Mais en tout cas, c'est assez bien foutu. On a ensuite les campagnes des conquérants. Donc, il y en a 3 cette fois, avec des batailles scénarisées, vous pouvez faire. Donc on va s'atteler aux campagnes un peu plus tard, donc dans une autre vidéo. Je vais vous montrer quelques scénarios des campagnes. Mais là, tout de suite, je vais vous montrer deux choses qui font vraiment la plus-value du jeu. C'est déjà l'historique. Historique, pourquoi? Parce qu'en fait, Age of Empires, c'est encore un jeu qui était vendu avec un plus. C'était pas simplement une boîte en plastique avec votre CD-ROM, le jeu est bast, comme c'est souvent le cas aujourd'hui. Vous aviez une vraie plus-value sur ce jeu. Et elle se trouve donc dans, bon déjà, le manuel qui était très complet, ce qu'on voit beaucoup moins aujourd'hui, ou alors c'est des manuels en ligne, c'est des tutoriels in-game. Mais là, il y a encore un vrai manuel avec une description de chaque unité, une description historique de chaque unité d'ailleurs aussi dans le manuel, et une description historique de toutes les factions du jeu. D'un tas de choses, donc on voit la, par exemple la guerre médiévale, on voit des tas de choses, donc les armées médiévales, et tout ça c'est des informations historiques qui sont dans le jeu. Comme je vous ai dit, je vais pas vérifier, mais c'est quelque chose que voilà, je trouve que ça apporte énormément en fait. Ça sert à rien, et donc c'est totalement indispensable. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Hein. Alors, autre point intéressant d'Age of Empires 2, c'est l'éditeur de map.
que je vais. Bon, je pourrais le lancer. Alors, je vous préviens juste, il va y avoir des blancs, des petites coupures. C'est dû au fait aux chargements qui ne sont pas enregistrés par Skype. Par Skype. Par Fraps, pardon. Et du coup, je me tais parce que je veux pas que ma voix soit coupée à cause du chargement. Donc, il pourrait y avoir quelques blancs à cause de ça. On verra ce que ça donne. Alors, je vais créer un nouveau scénario pour vous montrer à quoi ça ressemble. On se retrouve donc sur une étendue vide, une map, avec des tonnes d'options. Donc, on peut gérer le terrain comme on veut. Là, je mets du désert, par exemple. On peut mettre des unités, hop, ça c'est un chariot de guerre, un cavalier. On peut gérer tout. On peut même, ça c'est des espèces de petits scripts, les déclencheurs qui permettent de scénariser le scénario en fait, de déclencher des événements hein, comme l'on l'indique. Donc c'est très bien foutu. Il y a beaucoup d'options. On peut régler, vous voyez, on peut régler les messages de victoire, de défaite. On peut régler l'introduction du scénario, les conseils, l'historique. Donner des informations d'éclaireur, on y reviendra quand on parlera des campagnes. Donc voilà, il y a beaucoup, il y a même ça, j'ai jamais su ce que c'était en fait, les animations. Mais il y a de quoi faire. Donc on va brièvement passer là-dessus, hein. Je vais pas faire des heures sur l'éditeur, je vais le quitter tout de suite. Et non, je ne veux pas enregistrer. Et on se retrouve sur le menu et on va tout de suite lancer une partie standard, donc pour vous montrer en quoi ça consiste. L'interface ici, ce qui permet de lancer les parties standards, c'est le même pour les parties multijoueurs, sauf qu'on ne joue pas contre des ordinateurs, mais contre des vrais. Enfin, des vrais. Des humains, quoi. On peut voir déjà un aperçu de toutes les races du jeu, donc il y en a un certain nombre. Faut savoir que Age of Empires propose pas de différence de gameplay énorme entre chaque race. Donc globalement, c'est les mêmes bâtiments, c'est les mêmes unités. C'est les mêmes armes technologiques, c'est les mêmes améliorations. Par contre, chaque faction va avoir un certain nombre de bonus, et ou de malus d'ailleurs, qui vont donner quelques petites particularités qu'on peut exploiter. Donc, par exemple, les Japonais sont très bons en pêche, ils ont des bonus en pêche. Les Mongols ont des bonus à la chasse, donc ça c'est toujours des pêche et chasse, c'est des modes de récolte de la nourriture, il y en a un certain nombre. Les Britanniques, eux, c'est une civilisation d'archers, donc ils ont une unité spéciale d'archers. Oui, parce que chaque race a une unité spéciale. Les Teutons, par exemple, c'est une race défensive avec une infanterie d'élite en unité spéciale qui est très lente mais très puissante. Les Mayas, c'est une race d'archers de nouveau, voilà pour quelques exemples, hein. Il y a peu de races défensives, il y a des races qui sont vraiment désavantagées, donc par exemple les Goths. Si je me trompe pas, les Goths, c'est une race d'early game, donc qui sont plus forts que les autres sur les âges, les premiers âges, donc sur les premiers tiers technologiques, même si c'est pas des tiers, c'est plutôt des quarts dans ce jeu-là, vu qu'il y a 4 âges, mais qui ont des problèmes sur le late game, donc sur les parties avancées, et il faut savoir qu'Age of Empires est un jeu qui insiste plutôt sur les parties longues. Il n'y a pas vraiment de possibilité de gagner la partie très vite. Comme on peut voir sur StarCraft, par exemple, on ne peut pas faire des rushs, genre un six pool sur StarCraft 2, pour ceux qui connaissent. On y reviendra quand je parlerai de StarCraft 2, parce que je vais parler de StarCraft 2. Ben ce genre de stratégie qui vous permet de gagner la game en 5-6 minutes, provoquer des rage quits de vos adversaires et autres, vous pouvez très difficilement les faire sur Age of Empires 2. Donc c'est un jeu qui... Je vais vous expliquer pourquoi une fois qu'on sera dedans. Qui est un peu difficile, donc qui encourage pas ce genre de stratégie. Déjà avec la taille des maps, le fait qu'elles soient aléatoires, donc ça on va en parler juste après, et le fait que le forum soit, enfin le forum, donc qui est le bâtiment principal de chaque race, c'est le seul bâtiment que vous avez au départ, qui est en fait une force défensive, vu que quand on met des villageois dedans, ils tirent des flèches sur les ennemis, donc pour pouvoir casser un forum. Faut déjà avoir des troupes assez évoluées. Je pense qu'avant l'âge des châteaux, wow, âge féodal, on y arrive. Avec beaucoup, beaucoup de troupes, on y arrive. Mais enfin, disons, gagner dans le premier quart technologique, c'est assez difficile. Après, on peut prendre des avantages décisifs, hein. Bon, voilà, c'était pour le petit point technique. Donc, on va laisser l'ordinateur dans une race aléatoire. Pour ma part, je vais choisir quoi?
Je vais choisir les Byzantins parce que je les aime bien. Ils sont assez défensifs aussi. Ils sont plutôt une race late game, avec la possibilité de passer à l'âge impérial assez facilement. Donc je ne vais pas m'empêcher de placer des petites infos techniques dans cette présentation. Donc on choisit les équipes, ensuite on choisit le type de carte. Alors plusieurs modes de jeu, carte aléatoire qui est le jeu standard. Régicide, on pourrait peut-être le montrer à l'occasion. Combat à mort, donc c'est différentes. Comment dire? Mon scénario, ça permet de jouer des cartes qu'on aurait créées avec l'éditeur de scénario. Il faut que chaque joueur la possède naturellement. Roi de la colline, donc c'est défense course et défense aux merveilles. Tout ça, c'est des conditions de victoire différentes. Donc par exemple, la défense de la merveille, on a un joueur qui a une merveille. Donc les merveilles, c'est un bâtiment extraordinairement cher, extraordinairement long à produire, mais qui en carte aléatoire vous fait gagner si vous le défendez un certain temps. Et il y a un mode qui permet en fait d'essayer de le défendre. Roi de la colline, prenez le contrôle d'un monument, voilà. Donc, moi je vais faire une carte aléatoire qui est vraiment le jeu le plus standard. Le type de carte réaliste ou personnalisément, on va prendre standard, donc une carte purement aléatoire. L'emplacement va définir en fait le type de. Comment dire, le type de relief, le type de configuration de map. Donc même si le relief est pas particulièrement flagrant. Ouais, continent, c'est assez bien, c'est assez équilibré. Ça détermine aussi la masse de terre par rapport à l'eau. Et ça c'est très important parce que le jeu est une grosse passion, une grande partie. Enfin. Quand il y a beaucoup d'eau, il y a une grande influence des batailles navales, tandis que quand il y a beaucoup de terre, les bateaux prennent une importance secondaire. Sachant que la pêche est aussi un moyen de gagner des ressources en nourriture très intéressantes. Bon, alors la difficulté de l'ordi, je pense que je vais le mettre. J'ai un peu peur de le mettre en difficile, donc pour les besoins de la présentation, on va le laisser en intermédiaire. Il faut savoir qu'en dehors du mode difficile, les ordinateurs sont vraiment, vraiment très nuls. Bon, tout simplement parce que, déjà, en général, l'IA n'est pas particulièrement intelligente. Hein. Elle réfléchit par rapport à ce que vous faites et elle essaye de proposer des unités qui sont plus ou moins le contre-naturel à ce que vous êtes en train de faire. Seulement, elle fonctionne par petits rushs, généralement assez vite, mais qui sont assez, enfin, si on sait, donc on peut atteindre, en fait, on peut les attendre, on peut les tuer à mesure. Simplement, le niveau de difficulté va gérer la vitesse à laquelle l'IA se développe. Le difficile étant la vitesse la plus importante de développement, mais en très difficile, qui est un mode, alors, enfin, voilà, comme son nom l'indique, où il a simplement des bonus de ressources au départ pour pouvoir partir plus vite, si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Donc, on va lancer, hein, trêve de blablaterie. Donc trêve de blablaterie, je disais, et on se retrouve en jeu, donc il faut pas que je traîne trop. Je connais pas les raccourcis clavier, c'est très ennuyant. Hop là, je vais créer ça. Le raccourci clavier pour les villageois, c'est C. Alors ça, c'est un autre point assez ennuyeux, c'est qu'on peut pas. On peut pas régler les raccourcis clavier comme on veut. Donc ça pose quelques soucis. Voilà, donc je suis à plus ou moins lancé, on va pouvoir montrer. Donc un RTS, comment ça se déroule? Un RTS, ça se passe sur une map là. Une map. Ah, ou plus j'ai l'icône de frappe, ce qui me bloque la vue sur les ressources en haut à gauche, c'est assez ennuyeux. Donc ça se passe sur une map ici. Donc la particularité dans Age of Empires 2, c'est que ces maps sont totalement aléatoires. Contrairement à un StarCraft où les maps existent à l'avance. On peut les treffer là, Age of Empires 2, les maps sont aléatoires. Donc il faut s'adapter à chaque fois, même si un certain type de relief, hein, comme j'expliquais tout à l'heure. L'idée de base donc d'un RTS, c'est que c'est un jeu le but c'est de produire des unités militaires pour détruire. Donc la façon la plus basique de gagner, c'est de détruire comment on dit, la base adverse. Donc mon ennemi est quelque part sur la map, il est ici d'ailleurs, je l'ai trouvé avec mon éclaireur. Et pour ça, on doit produire des unités, et ces unités se produisent en collectant un certain nombre de ressources. Donc on a toujours. Je vais finir, y arriver à créer ce villageois. Voilà. Donc on a toujours un bâtiment principal. Donc ici, c'est un forum dans ce jeu-là. Forum qui permet de créer donc des villageois qui sont l'unité des récolteurs en fait, qui récoltent les ressources. Et ces ressources à Age of Empires 2, alors qu'il faut que je fasse immédiatement une maison.
Voilà, parce que je suis bloqué, donc j'ai une population qu'on voit ici. Donc les ressources à Age of Empires 2, je disais, sont le bois en haut à gauche, la nourriture, l'or et la pierre. Donc la nourriture s'obtient de très nombreuses manières, notamment ici on voit, je vais mettre un contrôle groupe sur ce bonhomme. On voit ici que je peux collecter des moutons, je peux rassembler des moutons et m'en servir pour faire de la nourriture. Je peux récolter des baies. Plus tard, je vais pouvoir faire des fermes. Je peux pêcher, donc avec des bateaux de pêche. Ensuite, le bois, donc les bûcherons qui le collectent. On voit ici mes bûcherons qui taffent. Il y a ensuite l'or, donc il faut des mines d'or. J'en ai pas encore trouvé. D'ailleurs, si je peux récupérer ma cavalerie d'éclaireurs, ce serait pratique. Je crée donc des villageois non-stop. Hein, c'est une. Si vous voulez gagner un jeu de stratégie, créer des récolteurs non-stop pour en avoir le plus possible, c'est une condition essentielle à la victoire. On voit que j'ai des moutons encore. Je vais faire une patrouille avec ce mec tout autour de ma base pour essayer de voir un peu les ressources. Donc là, j'ai pas mal de moutons, je peux les ramener vers mon forum. Donc, hop, ouais, j'utilise pas mal. Faut aussi utiliser le clavier, hein, naturellement. Est-ce que j'ai assez de ressources pour planter un camp de bûcherons? J'en ai assez. Et je suis nouveau. Voilà, je joue très mal. C'est dur de parler en même temps, faut avouer. Même si. Donc j'ai bien fait de mettre l'ordi en intermédiaire quand même. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, donc vous devez toujours créer des villageois hein, le plus possible pour collecter plus de ressources et donc faire plus de troupes plus tard. C'est la base, donc sur Age of Empires 2. Donc là, on voit il y a de la pierre ici et de l'or là, et qui sont les deux autres ressources de late game. Hein. Donc au début, les villageois coûtent que de la bouffe, donc il faut faire un maximum de bouffe. Il faut ensuite du bois parce que le bois permet de faire des fermes et donc plus de bouffe derrière. Et une fois qu'on est stabilisé, on peut commencer à penser à passer aux âges supérieurs. J'ai pas assez de bois pour faire ça, donc faut que je mette plus de gugus sur le bois. Je crée des villageois. Bon, il n'y a pas grand chose, forcément grand chose d'autre à dire, à part que le jeu bug un petit peu. Ça, c'est le problème avec Seven, c'est que le jeu a tendance à bugger un peu. Je vais aller voir ce que fait mon adversaire, parce que c'est aussi un des points importants du jeu, c'est de voir ce que fait son adversaire. Alors, j'accumule des ressources. Je vais vous montrer encore un petit moment cette partie. Produire des villages non-stop. Et ensuite, on va basculer sur le late game. Donc ça, c'est l'early game. J'ai pas vraiment réfléchi à ce que je fais. Hein. Je m'attelle à faire des choses un peu, à pas mourir surtout, à pas jouer trop trop mal. Là, vous voyez que je suis en train d'accumuler de la nourriture, mais c'est pas grave, c'est normal. Alors là, par contre, j'espère que j'ai assez de bois. Et voilà, forcément, donc on va passer tous ces gens-là sur les moutons. Le temps que j'accumule assez de bois pour faire les fermes. On continue les villageois. Hop là, j'ai 32, 30, 40. Allez, un peu plus de bois. Vas-y, il y a encore deux villageois qui reviennent. Un. Allez, vas-y. Hop là, voilà, je peux poser ma ferme. Hop, je continue à faire des villageois. Hop là, donc je vais bientôt. J'accumule des ressources pour pouvoir vous montrer ensuite passer à l'âge supérieur, parce que c'est la particularité d'Age of Empires 2, et je crois que c'est un des premiers jeux qui l'a fait. Enfin, le premier Age of Empires, en fait, c'est un des premiers jeux qui l'a fait, alors que mon adversaire ne fait rien, il fait quelques fermes, des maisons. Donc, je trouvais les maisons donc, qui permettent d'augmenter la population limite, et je me rappelais qu'on pouvait rejoindre la base plus rapidement que ça. Hop, je chope. Lui, il vient de revenir. Je chope un villageois, je fais une ferme. Je continue à faire des villageois sur le bois. Là, donc, qu'est-ce que je disais? Ouais, donc c'est un des premiers jeux, en tout cas le 1, donc, qui gérait les âges, donc qui divise le jeu en fait en tiers technologiques, là en quart en fait.
Il me faut plus de maisons que ça. Ouais, parce que là, je peux plus produire d'unités à cause de ça. Donc la population, on a une population actuelle sans population max ici, qui fait que ben, on peut pas construire d'unités à l'infini, sachant qu'on peut aller jusqu'à 200 sur 200 ici. Voilà, donc dès que ce villageois serait fini, je vais vous montrer le quart 2, donc passer l'âge de l'âge sombre à l'âge féodal. Et lui, je vais l'envoyer faire une ferme juste après. Donc, pour résumer donc, le principe d'un RTS, on fait des unités, donc des récolteurs de ressources. On utilise ces ressources pour faire des bâtiments et d'autres unités. Et ensuite, on attaque et on tue son adversaire avec ses unités. Donc, je dois avoir encore ma cave d'éclairage quelque part. Je vais la renvoyer dans la base de mon adversaire pour voir un peu ce qu'il fait. Je pense qu'il ne fait rien. Voilà. Je retourne chez moi. Et donc, je vais couper là. Et je vais reprendre un peu plus tard, quand j'aurai avancé un peu la partie, pour vous montrer un peu comment ça se fait quand ça se frite. À tout de suite. Voilà, je vous reprends alors que j'ai de nouveau merdouillé sur les... sur les maisons. Donc je vais faire construire à ce villageois un certain nombre. Ok, donc ça, ça va. Alors je vous montre là, donc j'ai fait des navires de pêche qui me permettent d'améliorer mes récoltes de ressources en nourriture. Donc voilà par exemple que je dépense très mal mon argent. Donc, il y a un petit gaillard qui vient m'ennuyer. Ah ok, donc ah oui, c'est que les troupes sont agressifs. Ça, c'est un des gros défauts du jeu, en fait. C'est qu'ils seraient capables de me le buter. Donc, c'est que les troupes sont agressives par défaut. C'est-à-dire qu'elles vont poursuivre l'ennemi où qu'il soit sur la map tant que vous faites rien. Voilà, donc j'ai passé l'âge des châteaux. Et là, on va voir que je vais faire des upgrades, en fait. Donc, j'ai choisi de faire une armée d'archers et d'infanterie. J'ai pas forcément la race pour. Donc je lance plein d'upgrades qui permettent donc d'améliorer mon économie, d'améliorer ici par exemple sur le bâtiment là qui me forge, d'améliorer l'attaque de mon infanterie. J'ai pas assez de nourriture et j'ai trop de bois, donc on prend. Là on rajoute des fermes. Ah, on a entendu un bruit qui me disait que ma ferme était épuisée. Donc je fais des upgrades. Il y a des upgrades pour chaque type de ressources qui améliorent la vitesse de collecte. Par exemple là, je peux améliorer la récolte de l'or. Alors toujours et encore des villageois. Hein, ça, j'arrête jamais de faire des villageois. Je peux toujours pas. Donc, c'est plus important de faire des troupes que des upgrades. Là, on voit que ça se frite. Alors il m'a attaqué. Il a vraiment des troupes de base. Donc ça, le milicien, c'est l'unité de base que vous pouvez produire dès le premier âge. Bon, moi, je vais contrer dans sa base. Hein. Je vais pas m'ennuyer. Je vais mettre les rallye points de mes casernes par ici. Je vais faire l'upgrade de vitesse pour l'infanterie. Je vais mettre le rallye point de mes archers ici. Je vais créer un archer encore. Ah voilà, hop, j'ai retrouvé comment on fait pour aller directement sur un point intéressant de la map. Hop, je vais remettre encore une ferme, relancer celle-là. J'arrive à lancer mon upgrade cette fois, c'est bon. Hop, je remets celle-là. On fait des troupes en principe non-stop, on fait ce qu'on peut. Hein. Donc là, on voit que ça se frite, il a fait un moine. Donc le moine qui est une unité qui permet de convertir mes unités à moi. Hop, et on attaque ça. Il me permet de convertir mes unités. Je peux vous montrer un peu donc l'arbre technologique, là, le monastère qui permet donc de faire des moines. Ça se frite là-haut. Donc on voit que mes troupes se font attaquer. Ah, donc ce que je vous disais, ça, là, le tirailleur, c'est une unité spécialisée contre l'archerie.
le moine, c'est bon, c'est une unité qui est très casse-pied à l'usure. Donc il fait, moi j'ai fait des archers, il fait des tirailleurs. Ce qui est au final un tout petit peu lourdingue. Je mets le rallye point de mes casernes. Je vais faire un peu d'unité en avance parce que j'ai un peu de peine à gérer. Alors il y a encore un prêtre qu'il faut buter. Là il est en train d'essayer de remettre. Oh c'est ennuyeux là. Bon, ça on attaque avec aussi. Ça on détruit. Hop, on ramène ces troupes là. On fait toujours des villageois. Hein. On fait toujours des unités aussi. Là j'ai pas forcément assez de bâtiments de production. Je commente en même temps. Hein. Donc c'est un tout petit peu dur. Là je fais encore un gaillard. Voilà, j'ai plus assez d'or. Donc hop. Je mets le rallye pointe de mes casernes là. Va me falloir pas mal d'or d'ailleurs parce que je vais commencer à récupérer les reliques. Il s'est un peu répandu partout sur la map. Hein. Je lui tue des villageois gratos. Ça c'est le défaut de l'ordi. C'est qu'il joue très mal. Même s'il essaye un peu de me dodger. À produire, non j'ai pas assez d'or, si maintenant j'en ai. Donc toujours mettre plus de rallye pointe, il me faut beaucoup d'or là, je commence à avoir besoin d'or parce que je suis dans un âge technologique qui en demande. Alors ça par exemple ça demande du bois, je peux en faire à la place pour compenser. C'est des lanciers, ils sont bons contre la cavalerie. Donc le principe du jeu c'est un peu feuille, caillou, ciseaux, hein. Je crois que vous l'aurez plus ou moins compris. Alors que là si je veux gagner il faut que je lance l'attaque de masse sur le forum. Donc, vous voyez ce que je vous disais, hein, il met ses villageois dans le forum et le forum se met à tirer sur mes troupes. Ce qui fait qu'au final, ben voilà, c'est extraordinairement difficile de gagner la partie tôt à cause de ça. Parce que là, mes unités elles galèrent et pourtant elles sont déjà pas mal évoluées. Non, 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 qu'est-ce que je fais moi? Hop, on va en ramener encore. Ça va, donc je gère. Hein. Je vais lui tuer son forum. Et en principe, il devrait pas tarder à conseiller derrière. Donc j'espère que cette première vidéo vous a plu. Enfin, je vais quand même le tuer. Hein. Je sais pas ce que ça va donner. Il a envoyé toutes ses troupes collecter des ressources. Donc il n'a pas l'air de vouloir conseiller tout de suite. Si je lui tue un peu de villageois, il devrait le faire. C'est un ordi, hein, c'est pas super facile, c'est pas super intelligent. Il est peut-être même déjà, vu que j'ai un peu tardé, j'étais pas super super efficace, il est peut-être même en train de me faire un forum quelque part. Vu le nombre d'unités, voilà, il a fait un forum là. Donc en fait, faut que je commence par lui tuer ses villageois. Et il va pas concéder du coup. Donc je fais plein d'unités. Pendant ce temps, il y a mon économie qui est en train de foutre le camp, forcément. J'ai de quoi produire. Hein. Voilà, un forum de moins. Voilà, il a concédé. Donc je vais... Ça, c'est l'écran des scores hein, qui nous montre le résumé de la bataille. On voit que je l'ai écrasé partout. Ben, c'est un ordi. Hein. Le seul point où il m'a suivi, c'est technologique. Technologique, c'est que moi j'ai glandé en fait, il m'a battu de vitesse sur tous les âges, il explorait énormément de la map. Bon voilà, j'ai perdu là-dessus, mais bon, on voit que moi j'avais plus de villageois, j'avais plus de troupes, donc ben je l'ai tué. C'est un ordi, pas particulièrement intelligent. Je pense que le jeu ne commence en solo, hein, donc n'avoir un intérêt qu'en difficile, je dirais. Donc en difficile, vous commencez à avoir un certain intérêt au jeu. Avant, ça permet donc faire la campagne d'apprentissage, peut-être quelques missions des campagnes qui sont assez certaines assez corsées quand même hein, en termes de défis. Mais voilà,
Le jeu n'a vraiment un intérêt contre l'ordi qu'en difficile, et il a un intérêt encore plus grand, donc comme tous les jeux de ce type, hein, c'est une constante pour les RTS, il a un intérêt encore plus grand en multijoueur. Donc ce qui est dommage avec Age of Empires 2, comme je vous le disais, c'est qu'il n'y a plus... Il n'y a plus de joueurs sur le multi, tout simplement. Si vous ne... Il n'y a plus de serveur non plus. Hein. Donc, si vous ne connaissez personne qui joue, vous êtes ennuyé. Donc, j'espère que cette première partie de présentation vous a plu. Je vais en refaire une sur les... sur quelques missions de la campagne et on va en refaire une dernière ensuite sur le multijoueur. J'aurai probablement un invité avec moi. J'aime pas faire les vidéos multijoueurs tout seul. C'est beaucoup moins intéressant. Donc, sur ce, je vous dis à bientôt et j'espère que ça vous a plu. Salut à tous!